à tous et bienvenue sur Gitaku pour cette nouvelle vidéo Retro Gaming. On va jouer à Mega Man 2, mais avant ça il va falloir préparer le setup et faire une sacrée transformation. Mais avant ça, petite surprise, un nouveau générique exprès pour le game. Les amis, on est parti pour ce défi sur Mega Man 2. Et Mega Man 2, c'est un jeu de l'enfance pour moi. C'est le premier Mega Man que j'ai eu. Et je l'ai recommencé des milliards de fois. Je le connais quasiment par cœur. Et je suis jamais, jamais, jamais arrivé à la fin. Alors, on va essayer aujourd'hui d'arriver à la fin. On a notre compteur temps, toujours de 12 heures. Et c'est parti. Alors, il y avait un ordre. Si je me souviens bien, moi je commençais par. Metaloman et les petits oiseaux. Je me souviens sur un des Sephia et B, ça devait pas être les petits oiseaux. Ça, c'est du pur Remember. Alors, on y va, on devrait pas trop se louper. Hein. On peut essayer de rusher. Je sais même pas, j'ai pas regardé le temps du rush de Megaman. Tu vois, genre. Et en 2 heures, je sais même pas ce qu'on est capable de faire en vrai. On s'en souvient bien par cœur. Ça se voit direct. Merde, putain. Ah! Allez, on va essayer de se le faire en un coup là. On a perdu qu'un tout petit peu de life. C'est faisable, easy. Merde, je me souviens plus. Espèce de connard! Ah, oh, comme il m'a trop niqué! À un moment, il est passé en mode perfect, là, il m'a saoulé grave. Faire une vie de base, là, c'est chiant. Allez, allez. On a perdu du temps de base, c'est chiant. Regarde ça, putain. Trop chelou. J'ai trop de tension ou je sais pas quoi, parce que c'est pas possible que je me rate. Voilà. Tiens, masse-toi bien avec ça. Soulon, il m'a fait perdre une vie. Pas possible. Direct, quoi. Alors. On reprend ici. Maintenant, on a eu le métal, on va couper le bois. Avec les petits oiseaux. Après, je vous montrerai sur les petits oiseaux. Les petits oiseaux, faut les faire apparaître. Sinon, c'est des étoiles, normalement. Ah. Le rush trop mal placé, quoi. Ah, je me fais eu par les autruches de merde. Ah, on est en middle life, ça devrait suffire. C'est parti, il me faut métalleux. Ah oui. Ah!
Et voilà, découpez la 602. Alors donc du coup, Herman. Ah, les petites étoiles. Il est trop chelou ce stage à part ça. Merde, non, il faut que je le tue avant qu'il arrive, lui. Tu veux un banner qui revient pas? Ah, si. Combien de fois j'ai dû faire ça quand j'étais petit? Mais combien de fois je me suis torché là-dessus? Là, on tombe dans le trou, et on tombe dans le trou, et là, on se casse direct. On tombe ici, et puis on continue. Putain, j'avais oublié ça. Le principe que quand tu prends de la vie, ça t'arrête l'écran, ça m'a fait trop peur. On est full. On est quasiment full. Ça va passer direct. On est parti, Woodman. Herman, je lui donne 10 secondes, allez. Voilà, c'est réglé. J'ai même pas réfléchi, j'ai avancé tout droit. Bon, je sais que par contre, les leafs, tu vois, on a un nombre limité. Quand même, tu peux te faire U. Quit, equipped, we eat to get equipped, we didn't. Bon, on perd du temps. Alors, on a eu Herman, on va chercher Crashman. Ah non, non, ça c'était de la merde. Ah non, non, ça c'était de la merde. J'aime bien la musique, mais c'était de la merde. Ça rentre tellement dans la tête, ce genre de petite musique, tu sais. C'est trop... J'ai l'impression d'être dans une petite série pour enfants et tout, toute sympathique, trop mignonne et tout. Cette musique, elle est géniale. Ouh, je sens qu'il va y avoir un truc assez dur à passer juste par ici. Ah non, ça va. Ah non, ça va. Ah non, 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 ça va. Non, non, ça va. Il faut juste rester là. Je suis obligé de le prendre, ce coup, en fait, hein. Bande de... Connard, bande de connards. J'ai un E, et là, je suis pas censé pouvoir monter, mais... L'item 2 qui n'est pas fait pour ça va m'aider quand même. Voilà. Windman. Crashman, je te donne 10 secondes. Ah merde, c'est Woodman, ça. Ah, Herman. Ah. Ah, 10 secondes. Un peu moins. Je me suis trompé. Fais voir ça, alors. On en est à quoi? Il reste encore 1h42 minutes. Alors, on a eu le Crash Bomber. Et tout ça, ça ne me sert à rien, je crois. Ah, je sais plus. Je vais prendre Bubble Man, je sais plus. Je ne sais plus, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Je ne sais plus, je ne sais pas. Phase de rush avec des sauts dangereux, oui, dangereux, oui, dangereux. Oh non! Mais non, j'étais sûr que je pouvais passer droit. Ah, deuxième fail! Surtout que je savais à un saut près, quoi. Cette merde. Elle est chiante, celle-là. C'est une certaine époque de l'année, il pleut des crabes dans la région. Faites attention, sortez couverts. Bon, Bubble Man, je sais pas pourquoi, j'ai envie de le faire avec Herman aussi. Je me souviens plus, en fait. C'est peut-être totalement pas ça, mais c'est pas grave. Je me dis, les trucs, ça monte, lui, il vole. Ah bah non, pas du tout. On se fait des petits essais. Pas du tout. Bon, ah, c'était de la merde. Bon, alors ce sera pas le plus sexy des boss, hein, effectivement. Hein.
C'est quoi ce délire d'accélération là? Voilà, quand même, merci quoi. Bon, c'était pas du tout sexy, il a duré plus de 10 secondes. Oui, je suis un bourrin. Je suis un bourrin. Ah, du coup, vu qu'on a de l'eau, on va faire Hitman. Je me demande si c'est pas les boomerangs qu'il faut pour. Ouais, c'est possible en fait. Oh! La touche Capipa! Je suis en train d'halluciner parce qu'en fait, ça fait des années que j'ai pas joué à ce jeu, mais c'est comme si j'y avais joué hier, quoi. Ah! Là, on peut perdre du temps. Ouais, je me souviens qu'on est passé direct. Ah! Ça, c'est vraiment un gros C. Ah, si t'es pas dessus direct, c'est foutu. Ah! Ça, c'est hors de question, mon ami, alors. Ah, j'étais pas assez bas. À chaque fois, je suis jamais assez bas, quoi. Alors. Babelman. Hitman, je lui donne 10 secondes. Ah, 10 secondes. Ah, peut-être un peu plus, parce que... Il a un mouvement de merde. Ah, c'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Bon, on a l'item 1. L'item 1, c'est l'ascenseur, si je me souviens bien. Stage select. Flashman. On est obligé de faire Flashman avant Quickman, sinon on passe pas. Si on ne passe pas, on ne passe pas, on ne passe pas, on ne passe pas. Ouais, je peux aller la chercher, j'ai l'ascenseur. Je peux continuer le stage et prendre tous les bonus et chouettes. Ici, faut pas que je tombe, mais que je continue de monter et que je crache tout ça. Y'a des bonus partout par là. Moi, je prends le raccourci, ça me va. Je sais même pas quelle arme fonctionne sur lui. Peut-être c'est Crashman, je l'ai utilisé tout le temps du stage, je vais tester ça. On va voir ça. On va voir ça tout de suite. Oh mince, j'avais oublié. Le décor n'est pas droit. Ouais, Crashman, ça marche plutôt pas mal. Je suis foutu, je crois. Crashman est vite. Bon. À la mano. Ouais, il apprécie autant les tirs normales que les tirs de Crashman. Ah, je suis droit dessus. Oh, le bourrin. Oh, le bourrin. Oh, le bourrin. Il a bourré. Putain, j'ai quand même réussi à faire un continu, hein. Chier. Allez, on a eu l'item 3, qui est... Je ne sais plus. Quickman. On va mettre une dernière fois les petits oiseaux. Quickman, au milieu des oiseaux, c'est Quickman qui vit dans le nid des oiseaux. Ouh, la vie, je vais en avoir besoin. Ce stage, il est très compliqué. Très. Il y a toute une strate de fou. Ça commence tout de suite, déjà maintenant. Ah, j'ai tourné trop tôt. Bon, on est bon. Merde. Putain, chier la merde. Pas question d'abandonner ici sur ce stage.
Je suis le maître de Mega Man 2. Par réflexe, on va équiper Flashman. Ah, vous vous demandez pourquoi Flashman? Eh ben, parce que... Stop time! Et je peux pas l'arrêter, ce truc? Non, pas la souris! Je vais refaire le jeu. Je vais arrêter... Ah non, je peux pas. Je suis obligé de le vider complet. Bon, il faut que je le régénère, du coup. Trop ça te pète le cul de faire ça, quoi. On est passé. Merde, j'ai pas d'arme. Donne-moi une arme. Ah! Bon, on fait un try avec le flingue de base. Puis on garde toutes nos armes pour la suite et on va bien voir. Je me souviens, Quickman, c'était pas le plus facile. Regarde ça, ce connard! Bon. Qu'est-ce qui peut marcher sur un truc comme ça là? Moi ouais, j'aimerais bien ça. Ça c'est pratique. Ouais, Crashman, ça prend assez cher. Ouais, bon, le problème de Crashman, effectivement... Ah bah J'ai rien dit, il a été dans la bombe. J'ai rien dit. J'ai poussé la mine et ça a fonctionné. C'était bon. J'ai pété tous tes sbires, Dr. Willy. Maintenant, c'est ton tour. Voilà, c'est là que j'étais bloqué. Ah, je vous le dis tout de suite, on n'ira pas plus loin. Je vais me taper 2 heures de cette musique, je vais devenir fou. C'est chaud, hein. Je me souviens de tout le truc là, il faut que je récupère ça, parce que le 1, je l'ai besoin à full après. Ah, c'est chaud. Hein. Je crois qu'avec ça, ça suffisait. Ah non, ça suffit pas du tout. Pas du tout. Je suis obligé de me le faire avec le 1. Ça, c'est pas bien de se le faire avec le 1. C'est pas bien. Si je me gourre, il va falloir que je recharge pendant un bon moment. Bon, voilà pourquoi c'est de la merde. Voilà pourquoi c'est de la merde. C'est chiant la mort. En une heure, j'ai réussi à finir les stages et je vais rester une heure là. Rien que ça, j'aime pas l'idée, tu vois. Là, c'est le boss de la mort. Le boss qui me tue. Voilà. Va te faire enculer. Je vais me faire tuer. À ce stage, tu vas voir, ça sera pas possible d'y arriver. Je vais être complètement niqué. Allez, accroche-toi, de dieu de bordel.
J'ai l'air de m'amuser. Oui, oui, je m'amuse énormément maintenant. J'ai enfin atteint le niveau d'amusement maximum de ce jeu. Faut que je trace devant. 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 Ça c'est pas bien compliqué. On prend le rythme et on le suit. Pourquoi t'as ralenti l'écran, dragon? Oh, le clipping du personnage à l'apparition du boss, je le voyais même plus. J'ai niqué. Alors, on est totalement dans le flou. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Juste le 3, c'était quoi? C'est ça qu'il me faut, c'est ça qu'il me faut. Oh pute! J'ai cru que les cases qui s'en allaient, je pouvais plus marcher dessus. Je me suis mis une pression monumentale de ne pas marcher sur ces fucking cases qui étaient toujours valides. Il reste 50 minutes. Oh putain de merde. Ouh, j'aime pas cette idée. Ok. Alors. Boss ? Ok. Ok, et alors? Je tire sur quoi techniquement? Ok. Là, on reste dessous, on se cache. Non, ça, alors. Ok. Bon, rien, je pense qu'il faut y aller qu'à l'arme de base. On a. Là, tout le reste, ça va pas fonctionner. Pas que j'oublie, j'ai un E. J'ai un E. Le but étant d'aller le plus loin, pas forcément de finir. Donc là, il arrive et tac, il me balance ses petits. Bah, ta gueule, alors ça m'énerve. Ok, c'est dès qu'il baisse le point, il faut que j'y aille. Comme je vous ai dit, j'ai jamais été aussi loin dans ce jeu de ma vie. On va aller la chercher la vie là-bas quand même, on est pas bête. Bon, toi tu sers à rien. Oh! Y'a pas moyen qu'on sache hein, c'est que sont les trous. Hein. Hors de question, je me fais pas arnaque. J'ai failli sauter dans le vide. Bande de méchants. Ah non, 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 je peux pas perdre une vie là-dessus, c'est nul. Comment je fais maintenant? Je... Je suis très 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 embêté là. Non, 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 non.
putain de nom. Ça se fait en plusieurs fois. Je suis devenu complètement timbré. Allez, 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 amène tes trucs. Donne-moi de la charge. Va te faire enculer. Ah, je suis au bout de ma vie. Ah, je l'ai, hein, le truc, hein, je l'ai, hein, mais... Faut croire qu'il veut pas passer. Et tous ensemble, nous désespérerons. Il suffit juste de charger Crashman et c'est passé. Je considérerais déjà ça comme une méga victoire. Tiens, comme t'étais chiant, mais comme c'était horrible. Putain. Ah, dernier chemin. Mets-toi-le. On y est. Voilà, c'est bon. Je suis obligé parce que j'ai plus de temps devant moi. Je peux pas me permettre d'échouer et de perdre une vie. Ouais, j'aurais même pas eu besoin, fais chier. Ah, mais Bubbleman, c'était rien. Putain, Airman, c'est Woodman. Pourquoi il m'a résisté comme ça, lui, il est chiant. Boss de fin, incroyable.
là là, incroyable, 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 incroyable. Allez, allez, allez. Merde! Non! Oh, putain! Non! Je suis au poste de fin, quoi! Putain, 0, 0, 0, 0, 0. Putain, j'aurais tout donné, j'aurais tout donné. Une concentration du feu de Dieu, j'ai passé tous les stages. J'aurais pu le faire. C'était une fichtre partie, je suis encore... J'ai tout défoncé, j'ai été jusqu'à la salle du boss et jusqu'en face du boss de fin, quoi. Oh. Et ben, c'était épuisant. J'ai vraiment tryhard à fond pour arriver jusque là. Il y a énormément de choses que j'ai jamais faites. Effectivement, c'est pas facile. Malgré que ce soit facile, hein. Deux touches, une croix directionnelle. Ah, enfin bon, voilà quoi. On se retrouve dans quelques minutes pour le débrief. A plus. Et voilà les amis, c'est la fin de ce défi. C'était un putain de remember. Je m'en remets toujours pas. C'était vraiment monumental de partager avec vous ce moment sur Mega Man 2. Un pur souvenir. J'avais vraiment l'impression d'être dans les années 80-90, d'être devant ma TV tube bloquée, en train de regarder comme ça, complètement crochée dans ce jeu sans pouvoir en décrocher toute l'après-midi. C'était monumental, c'était vraiment, vraiment, vraiment excellent de passer tout ce moment avec vous. Donc, ben, pour la vidéo de la semaine prochaine, eh ben, vous avez toujours un vote qui est disponible dans la vidéo d'avant sur Wonder Boy. Donc, je vous laisse regarder la vidéo Wonder Boy Gaming Retro Défi 2 heures, où je me suis bien fait chier aussi. Et parmi les choix qui ont été mis la semaine dernière dans la vidéo de Wonder Boy, je n'ai eu pour l'instant qu'un seul vote, mais ce sera celui-là qui va passer. C'est parce qu'il était tout seul et qu'il a bien fait de le faire, donc nous allons sélectionner Gremlins 2. Et oui, Gremlins 2, ce sera le jeu que nous allons faire la prochaine fois. Et après Gremlins 2, on va sûrement faire un autre jeu, c'est sûr. Hein? Je me pars tout seul. J'aimerais bien qu'il y ait des gens avec moi, des fois. Bon, en gros, on va faire d'autres jeux. Donc, pour faire d'autres jeux, c'est simple. Je vais vous proposer les deux mêmes qu'on a eu la dernière fois, c'est-à-dire Arrow Flash et puis Punch-Out, qui sont là, ou là, ou je ne sais pas encore, mais quelque part. Et donc le dernier qui va être remplacé, parce que Gremlins 2 s'en va, puisque ce sera le prochain jeu que je vais faire, et donc je vais le remplacer par Quackshot. Ah ouais, moi j'aimais bien. J'ai bien aimé aussi, hein. C'était un bon jeu aussi. Donc voilà, vous avez trois jeux à choix pour voter. Vous pouvez voter, hein, voter pour celui que vous préférez. Moi de toute façon, je veux les faire les trois, donc allez-y, faites-vous plaisir, choisissez-les tous. On va bien finir par les faire tous, hein, au bout d'un moment. Bon, c'est vrai que ces deux-là, ils sont déjà... Ah, ça m'ennuie de pas savoir où je les mets d'abord. Je les ai déjà proposés, donc c'est la deuxième fois qu'ils viennent. Ils risquent de partir, évidemment, hein, pour être remplacés par d'autres. Et puis, du coup, ben, je ferai des émissions spéciales, parce que personne ne les veut, alors je vais vous montrer une émission spéciale. Voilà. Je suis tout déçu. Je rentre à ma maison. Alors, c'était pas chouette, les amis? Hein? Restez avec moi. Branchez-vous à la chaîne, abonnez-vous, faites tout ce genre de choses qui sont hyper, hyper classe et que j'ai besoin d'avoir. Oui, s'il vous plaît, j'ai besoin de les avoir. Et on se retrouve la prochaine fois. Et n'oublie pas, toujours en se faisant plaisir. Allez, à la prochaine, faut que j'y aille. Je te remets un petit coup de générique parce que vu qu'il est nouveau, hein. Allez, ciao.